Donc on fait toujours l'entretien avec l'équipe qui mène. Alors je me demandais qui va être l'équipe qui va mener à la fin de la journée. C'est dur de dire. Là, les conditions aujourd'hui vont être très différentes. Ça sera du vent plutôt léger. Hier c'était plutôt soutenu, on avait plutôt 15 nœuds de vent. Là aujourd'hui ce sera plutôt 5-6 nœuds. Donc on verra ce que les autres équipages donneront. Moi qui suis sudiste, je suis plutôt habitué au petit air. Donc normalement plutôt à l'aise, mais après il peut y avoir des surprises vis-à-vis des autres concurrents, donc on verra bien. C'est comment on se relance au poker ? Ça fait un an qu'elle veut jouer, on a toujours eu beaucoup de vent, du coup là il n'y a pas de vent, on en peut plus. Donc on a décidé de repartir en mer pour un flight ou deux flights si les conditions sont bonnes. Le vent se lève un petit peu, il va pas être très fort, mais ça vaut le coup d'essayer. La journée était longue, on n'a pas beaucoup navigué, il y a eu une grosse accalmie sur tout le milieu de la journée. On a fait un petit match ce matin, à nouveau un match en fin de journée ici. Pour nous, c'est plutôt bien passé parce qu'on doit gagner deux manches et faire une manche de deux. Donc, du coup, c'est une journée qui est assez positive. On revient sur l'équipage d'Antibes, on doit être égalité ce soir. Du coup, il va falloir qu'on départage tout ça demain dans des conditions light, je crois encore. Rester concentré sur les manœuvres, les départs, la tactique. Le plus important, ça va être de commencer à penser au classement peut-être sur la fin de journée pour voir s'il y a besoin de marquer ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on fait nos courses et puis s'occuper de nous est déjà suffisant.